Dès sa première audition 2 jours après l'accident, Nadine, la conductrice du car, avait assuré aux enquêteurs que les barrières étaient ouvertes. Ma cliente a été catégorique, les barrières étaient levées, soutenait Mejean Codonnier au micro de RTL en décembre. Elle a également assuré aux enquêteurs qu'il n'y avait aucune signalisation lumineuse. L'enquête révèle aussi que la conductrice du bus, mise en examen, a reçu un SMS quelques secondes avant l'accident. S'il n'a pas été ouvert, les enquêteurs se demandent si elle n'aurait pas été distraite par l'écran qui s'allume. Elle ajoute que personne ne portait sa ceinture. Point des contre-expertises techniques en février. Les premières constatations menées par les gendarmes sur place ont permis de relever plusieurs éléments évocateurs d'un passage niveau fermé. Les enquêteurs ont constaté des traces de frottement sur le devant du bus à une hauteur qui accrédite l'hypothèse d'un choc avec la barrière, affirme France Info.